Salut à tout le monde, bienvenue sur la chaîne Débat du Lapin en Afrique TV. Cette chaîne vous parle de débat du lapin, nous parlons de la vente, n'importe quoi. Nous parlons de comment rentabiliser son élevage et comment avoir des très très bons rendements. Alors, si tu es intéressé par ça, abonne-toi, like et partage la vidéo. Surtout, abonnez-vous massivement, les gars. Ok, dans cette vidéo, je vais vous dire si la consanguinité existe ou ça n'existe pas. C'est mon point de vue et c'est ton, ça sera aussi ton point de vue. Donc, mon point de vue sera ton point de vue. Si tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin, je vais te donner les astuces convaincantes que la consanguinité n'existe pas. Je vais te prouver que la consanguinité n'existe pas. Arrêtez de perdre le temps dans vos chapitres. Arrêtez de courir dans les fermes des gens. Dans les fermes des gens partout pour chercher les lapins pour dire que je vais couper dans ma ferme. Hey, laissez ça. Laissez ça les gars. Ça ne marche pas. La consanguinité c'est le fou. Pour plus d'astuces concernant la consanguinité, rejoins-moi après ce générique. Bienvenue chez l'élevage des lapins en Afrique TV. Ici, nous vous donnons régulièrement des astuces comme toujours. Abonnez-vous pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Tout juste après l'intro, on rentre dans le vif du sujet. Salut à tout le monde une fois de plus. J'espère que tu as aimé le générique. Alors, dans cette vidéo, comme je vous ai dit, je vais vous dire si la consanguinité existe ou pas. C'est mon point de vue et ça reste ton point de vue. C'est qui je vais parler dans cette vidéo. Alors, sans plus tarder, nous allons entrer dans le fil du sujet. Mais il faut avant de commencer, abonne-toi, like et partage la vidéo. Bon. Si, je vais commencer par ici. Si tu élèves tes lapins chez toi, et il se multiplie. Tu sais que bon, ce lapin, c'est l'enfant de tel, Cette lapine, c'est l'enfant de telle lapine. Et tu connais ta chose, pap, tu as jusqu'à 100 sujets à la maison et tu t'embrouilles. Tu vas faire comment? Certaines personnes vont aller chercher les lapins dans les fermes. Certaines personnes vont aller chercher les lapins dans les fermes ici, Ils vont pour chercher les mâles reproducteurs qui vont venir coupler les lapines à la maison. Alors que ça ne change rien. Ça ne change rien si tu tires un lapin de ta ferme même. Tu tiens la porte à ta ferme même et tu mets là-bas, tu as coupé tes lapins avec. Ça va faire quoi? Certaines personnes vont dire que la consanguinité va faire en sorte que, à la mise basse, souvent les lapins seront chétifs, souvent ils seront mal formés, et souvent ils ne doivent pas grandir normalement. Laissez-moi vous dire que c'est faux. Vous voyez un peu. Certaines personnes vont dire que tu as commencé la cliniculture quand tu as commencé l'élevage de lapins quand. Hey, laissez ça. L'expérience contre tout. Si tu n'as pas encore expérimenté quelque chose, comment tu vas dire que tu as commencé l'élevage de lapin quand? C'est comme ça qu'il y a des fois que je fais des vidéos sur Facebook. Et je poste, les gens me disent que tu as commencé l'élevage de lapin quand. Hey, laissez ça. Vous voyez un peu. Calmez-vous, les gars. Calmez-vous. C'est pas la force, c'est pas la guerre. Si tu veux, tu écoutes ce que je te dis. Si tu veux, tu n'écoutes pas. Tant mieux. Vous voyez un peu. Alors, ce sera le sujet d'aujourd'hui. Alors, moi, par expérience, je laissais tous mes lapins à la maison comme ça là. Je disais que toi tu es l'enfant de tel, toi tu es le père de tel, tout comme ça. Pap, je me suis embrouillé par moi-même. Je me suis embrouillé vraiment, je vous mens pas. Ce que j'ai fait, c'est quoi? J'ai tiré mal dans mon chapitre, j'ai coupé tous mes lapines avec. Vous savez ce que ça donnait? C'est ça. Ils ont même eu des grandes mises bas. Certaines personnes m'ont dit que je suis en train d'exagérer. Ils ont eu des grandes mises bas. Les lapins ont tellement grandi. Vous voyez un peu. Mais les lapins ont tellement grandi. Moi-même, bon. Je savais pas ce qu'ils devaient dire. Mais les lapins ont tellement grandi, même. Ils ont été bien formés, normalement. Bien costauds. Bien robustes. Vous voyez un peu. Bon. Qu'est-ce qui m'a poussé à coupler mes lapines avec ça? Qu'est-ce qui m'a poussé à tirer un mal dans mon châtel et à couper tous mes lapines avec? Qu'est-ce qui m'a poussé? Vous savez, les lapins restent au champ. Le lapin normal, le lapin que nous appelons le lapin domestique, c'est là. Le lapin n'est pas un animal domestique. On l'a seulement domestiqué.
Vous voyez un peu. On a seulement domestiqué le lapin. C'est pas un lapin, c'est pas un animal domestique. C'est pas un lapin domestique. Les animaux domestiques, nous allons, on peut parler des poules, des poulets là, des poules. Voilà les animaux, les poules locaux là. Voilà les animaux qu'on peut appeler les animaux domestiques. Le lapin n'est pas un animal domestique. On a seulement domestiqué le lapin. Le lapin de nature, naturel, naturellement reste au champ. Le lapin reste normalement en forêt. En forêt. Vous savez ce que je me suis posé? Je me suis dit que quoi? Le lapin qui reste dans la forêt là. Vous pensez que lui, il a la tête pour dire que ça c'est l'enfant de Pierre, ça c'est l'enfant de Jean? Vous pensez que lui, il a le cerveau pour penser à ça? Non, il ne fait pas ça. Laissez-moi vous dire comment ce qui se passe. Ce qui se passe au champ avec les lapins. Laissez-moi vous dire ça. On a étudié le lapin sauvage, et on a vu que en brousse, quand une lapine me bat, vous savez d'abord, en brousse, les lapins, ils ont les camps qui marchent, hein. Ils marchent entre 6 et 7. Entre 6 et 7. Ouais. Les lapins marchent au champ entre 6 et 7. D'un camp de 7 lapins, il y a généralement deux mâles. Il y a le mâle qu'on appelle le mâle actif et le mâle inactif. Vous voyez un peu. Le mâle inactif, c'est quel mâle? C'est le mâle que quand le mâle actif est un peu comme s'il est un peu malade, n'importe quoi, il prend le relève. Il prend la relève directement. Il prend la relève directement. Le mâle actif, c'est quel mâle? C'est le mâle que quand il marche avec les femelles, c'est lui qui est devant. C'est lui qui commande le camp. Et le mâle inactif est derrière avec les femelles. Il n'accouple pas quand le mâle actif est là. Ou quand il est en forme, il n'accouple pas les lapines. Ce qui se passe, c'est quoi? Quand le mâle actif a accouplé toutes les lapines là, il met bas. Le mâle actif va attendre 3 mois. 3 mois. Quand les lapereaux de leur femme, laissez-moi appeler ça comme ça, quand les lapereaux de leur femme seront déjà grands, il va attendre 3 mois. Ils seront déjà grands. Il va crier les mâles, il va les chasser. Il va crier les mâles, il va les chasser du camp, du groupe en fait. Il va chasser les mâles du groupe. Et tous les petits femelles de 3 mois, là, quand ils vont atteindre 4 mois, 5 mois, il va les accoupler. Le mâle actif va accoupler ses enfants. Il va les accoupler. Vous voyez un peu. Le mâle actif va accoupler ses enfants. Une fois quand il va les accoupler, ils vont mettre bas. Encore. Le camp va devenir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et le mâle actif va chasser un mâle. Il va chasser un mâle avec sa génération. Donc si une lapine a mis bas, peut-être 6. 6, puisque quand ils sont au champ, ils ne mettent pas beaucoup. Si elle met peut-être 6, il va chasser tous les 6 là, puisqu'il ne veut pas que sa famille agrandisse beaucoup. Son camp, ça serait difficile pour lui de les protéger, puisqu'il les protège, je vous rassure. Il protège son camp. Ça serait difficile pour lui de protéger son camp quand ils sont beaucoup. Vous voyez un peu. Je vous dis, le lapin accouple ses enfants. Il a couplé les enfants, c'est ce que moi je dis. Moi je dis que qui est au champ pour contrôler les lapins au champ pour quand ils ne s'accouplent pas entre eux. Je dis que qui est là pour les contrôler. Personne. C'est pour ça que je me suis pris. J'ai pris tous mes lapins et tout. Je les ai pris, j'ai cherché un mal à mon champ, mon château, je les ai couplés avec. Je vous dis le rendement comme ça, c'est très bon même. Très bon. Aucun effet. Aucun effet. C'est bon normalement. Parce que qui est au champ pour dire que toi n'accouple pas tel, toi n'accouple pas tel. Le lapin au champ, il est le champion, il est le maître du camp, il accouple qui veut à l'heure qu'il veut. Vous voyez un peu, c'est comme ça. On n'a pas dit qu'il n'accouple pas tel, tu es qui pour le parler? Qui es-tu? Donc, la consanguinité en conclusion, je vais vous dire, la consanguinité ne marche pas. Pour tous ceux qui vont dire que hey, ferme ta bouche, tout, 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 et tous les commentaires là. Pour tous les commentaires là, hein, prenez la peine. Prenez la peine de retirer un mâle et une femelle de votre chaptel. Un mâle et une femelle de votre chaptel. Vous les accouplez. Les lapereaux du même mère, les lapereaux du même mère qui seront frères et sœurs. Vous les accouplez. Vous les accouplez. Vous allez voir ce que ça va donner. Il y a beaucoup d'expériences en quoi de. Je vais vous dire quoi. On veut dire ça quoi. J'ai beaucoup d'expérience en consanguinité, les gars. En consanguinité, nous avons beaucoup d'expérience. Vous voyez un peu. Donc, c'est ce que je voulais vous dire concernant la consanguinité chez les lapins. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Alors, d'ici à là, portez-vous bien. Puis, abonne-toi, like et partage la vidéo. Pour plus de vidéos, abonne-toi. Abonne-toi.
Merci de nous avoir suivis jusqu'à ici. Merci.